Salut tout le monde, ici c'est Gringo et aujourd'hui une nouvelle vidéo les potos, une vidéo concernant le marché Save One Market. Et là on va découvrir côté où il y a la bouffe tout simplement les potos. Je vais aller comme d'habitude aller prendre des petits chicken et tout, cuisses de poulet à Jiteba. Voilà, voilà, je vous ai déjà fait une vidéo concernant l'endroit où il y a la SAP, où ils louent les voitures, c'est de l'autre côté les poteaux. Là, je vais acheter mes petits chicken les poteaux. Je crois que je vais prendre 3 la dernière fois, ça m'a pas trop calé. Voilà les poteaux, vous pouvez voir ici, c'est 3 chicken. Voilà, un chicken c'est 10 bahts, c'est 25 centimes d'euros les poteaux. Je vais prendre les spicy. Je vais prendre, attends, one. Je vais prendre, ouais, voilà, la dernière fois, j'ai pas testé les autres là-bas les poteaux. Donc, 10 bahts, ouais, nung. Voilà. Vous pouvez voir là, c'est 10 bahts, c'est 25 centimes. C'est vrai, quand même. Voilà, 40 bahts. Voilà, j'ai pris genre un spicy, un pas spicy, tu vois. Donc, 40 bahts, 1 euro les poteaux. Genre, 2 cuisses de poulet plus les 2 os. Je sais pas c'est quoi là-bas, c'est parce que c'est des cuisses de poulet. Donc, ça reste vraiment pas cher les poteaux. Bah, je vais marcher et manger en même temps et vous faire la vidéo les poteaux. Voilà, tu as même des vendeurs ambulants et tout. Après. Voilà, on a d'autres magasins ici. Eh, c'est vraiment bien décoré ici. Hein. Moi, je kiffe les poteaux. Super big kebab. Voilà, apparemment, il faut du kebab tout simplement, les poteaux. Voilà, c'est 10 bahts. Pour voir ici, je les invente pas les prix, putain. Hein. C'est 10 bahts tout simplement. Ouais, donc les poteaux, je sais pas si je l'ai dit ou quoi, parce que je suis complètement perturbé. Voilà, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1€. Ça fait plaisir. Le mec, il t'a mis une discothèque poteau ici, hein, en train de vendre de la boisson, il t'a mis une discothèque. Donc voilà les poteaux, bah, je vais manger ça. Voilà, je vais déguster un petit peu. Déjà, qu'est-ce que c'est bon. Surtout quand c'est 10 bahts, sa mère. Là, pareil, ils vont dire à manger. Voilà, pour voir ici. Pas facile de parler et manger en même temps. Il y a aussi de l'autre côté les poteaux, les genre des magasins là-bas, tu vois, des magasins de bouffe là-bas. Là, je vais faire un petit peu le tour. Ça, c'est des seafood normalement, les poteaux, pour voir ici. Des crabes. Voilà, ça, c'est ce que je mange souvent, moi. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu. Voilà, ça, c'est côté où il y a la sable, les poteaux. Je vais faire un petit peu le tour ici, les poteaux. Donc on va aller de l'autre côté où il y a genre un mec qui fait le kebab et tout. Sérieusement, c'est bon cela, hein, c'est mieux que les cuisses de poulet, sa mère. Donc vous voyez ici, ben, ça vend de tout, de la boisson, de la bière, tout ce que tu veux. En même temps, ce qui est pratique, plutôt, tu peux prendre juste ici, tu vois, genre ici tu prends, tu te poses ici, au calme. Tu vois, pas très juste. Là j'ai pris 4 pour 40 bas, rapide. Donc là on va continuer les poteaux, on va aller de l'autre côté. On va aller là-bas. Il y a un grand magasin, genre un grand food center, mais je vais pas là-bas les poteaux. J'aime plus ce côté moi. Et de temps en temps là-bas de l'autre côté, ils font des shows de voitures et tout. Le kebab, il est fermé aujourd'hui malheureusement les potes. Bah, dès qu'il finit son truc, son kebab, bah, il se barre à la maison. C'est un musulman, il fait halal les poteaux. Ça aussi, vous pouvez voir ici, bah, le mec est en train de bosser. Et ça va, sérieusement c'est 20 bahts. Et il y a juste le dernier, c'est 30 bahts. C'est 50 centimes et 75 centimes à peu près les poteaux. Ça je sais pas c'est quoi les poteaux, c'est genre elle te fait des trucs d'abeilles tout simplement. Genre des boissons avec du miel, vous voir ici. Là, bah, les pizzas à l'ancienne, je les ai mangées ici, 99 bahts les poteaux, 2,50€. C'est des petites pizzas, t'as genre 4 petits parts. Bah ici c'est les glaçons et tout. Mais ce qui est bien en Thaïlande, c'est que tu as tout plein de trucs qui sont colorés, excusez-moi les poteaux, parce que la meuf est en train de me regarder et tout. Ça, je sais pas c'est quoi les poteaux. Ça va, sérieusement, ça reste pas cher, 29 te bas. Je sais pas c'est quoi. Je suis déjà en train de manger. Donc ce qui est sympa, voilà, t'achètes ici, poteau, et tu te poses juste ici, voilà, au calme. Tu te poses ici, tu viens, tu prends ta bière, bah, comme là-bas, ils ont acheté leur bière, ils sont en train de... Là, tu as genre des trucs de glacé et tout. Donc on va continuer un petit peu la balade les poteaux. Moi je connais un petit peu ici les poteaux, mais je vous ai jamais fait de vlog ici les poteaux, parce que ce temps-là, j'avais pas ma petite chaîne YouTube. Hein.
Mais ça me fait passer le temps, les poutous, de vous faire des vlogs. Bah, poto, bah, comme d'hab, hein. Ça c'est plus de l'occasion, mais on dirait que c'est neuf, hein. Ils les ont bien refait, hein. C'est 100 balles les poteaux, pour voir ici, des chaussures à 100 balles, 2,50€, au calme, t'as pas d'argent, tu viens ici, 2,50€, mais je pense que c'est de l'occasion les poteaux, hein. Et ça les poteaux, c'est comme un bus, il va directement où il y a les parkings, les poteaux, c'est genre tu descends de ta voiture, tu le prends, il te ramène jusqu'ici les poteaux, et même si tu veux repartir dans ton parking, bah tu prends celui-là et tu retournes là-bas. Parce qu'il faut un petit peu marcher les poteaux, genre des bails de 200 mètres. De temps en temps, je m'arrête les poteaux parce que je suis en train de manger, ça fait pas professionnel, je sais, je veux garder le côté amateur, moi. On casse pas la tête, poteau. Ça, c'est un truc, c'est tenu par des Indiens, les poteaux. Et fait des glaces aussi, les poteaux. Il a un petit peu changé, hein. Même la bouffe, sérieusement, ça reste vraiment raisonnable, c'est 5 stars. C'est une franchise, les poteaux. Vous pouvez voir ici. Voilà. 5 stars. Ils ont acheté une franchise, tout simplement, les mecs. David vient boire mon café ici, les poteaux, mais le mec, il a arrêté parce que son café, laisse tomber, il faisait mal à la tête. Après, je pense que je vais venir ici, les poteaux. Je vais venir ici, peut-être je vais prendre mon café. Ça, les poteaux, c'est des plats, noodles. Tu vois là, le mec est en train de faire des plats, noodles. Ils te vendent tout à 20 balles, les poteaux. Je venais à l'ancienne. Tu vois là, le mec est en train de faire genre des petits plats comme ça, poto, il te met tout à 20 balles, tu manges tout à 20 balles. Tu peux voir ici, regarde, à 50 centimes, c'est des petits plats, hein. Mais l'avantage c'est que tu peux, voilà, le riz c'est 10 bahts. Mais l'avantage c'est que, voilà, tu vois les plats à peu près ce que ça donne là. Ça, ce qui est bien, c'est quand tu veux manger plein de trucs, poto, voilà, regarde, même là ici, regarde, tu vois, 20 balles. Si tu veux manger plein de trucs, bah, tu prends un peu de par là, un peu de par ici, tu vois, et ça te fait, bah, tu peux manger plein de petits plats, bah, juste pour 20 bahts, 50 centimes. Et là, moi, ce que je mangeais à l'ancienne, les poteaux, c'est celui-là à 49 bahts. Voilà, vous voyez ici les prix, je les invente pas. On est à Korat, les poteaux, dans le marché de Save One. Tu peux même avoir du spaghetti pour 69 bahts, c'est à peu près 1,60€. T'as l'autre spaghetti, c'est 2€. Donc, vous voyez un petit peu les prix, les poteaux, je les invente pas, hein. Après, voilà, je sais pas, c'est du saumon, un truc à 4€, c'est un peu rush, tu vois. Ici, à l'ancienne, tu vois, je venais tout le temps ici, les poteaux. Je venais manger avec mon ex ici. Je venais tous les soirs ici. Je venais tous les soirs manger. Hey, mais à l'ancienne, les poteaux, genre, quand je parlais et tout, les gens me regardaient. Genre, après, j'arrêtais. Maintenant, je m'en bats les steaks. Là, je parle, c'est genre, je fais ma vie, tu vois. Je fais vraiment ma vie. Donc, pour voir ici. Peut-être, après, je vais venir manger ici, les poteaux, hein, parce que ça fait vraiment longtemps. Je suis pas venu ici. Ah. Ah, 8 minutes, les poteaux, ça va. Et ça, c'est Dairy Queen, les poteaux, c'est vraiment bon. Ils font des glaces, mais elles sont vraiment bonnes. Et ça va, les prix, c'est pas cher. Par rapport à Svensson, Svensson, c'est vrai, c'est un meilleur goût, les poteaux, mais c'est rush, sérieusement, c'est pas donné. Donc, les poteaux. 8 minutes, on va faire jusqu'à 10 et 15 minutes. On va continuer un petit peu, vous montrer un petit peu les endroits ici à Save One Market. Putain, manger mes trucs là, comme ça, sans les sauces. Il m'a mis les sauces, mais putain, je tiens une main avec un smartphone et une main. Mais je bouffe. Je vais essayer de mettre la sauce, les poteaux. Ouais, voilà. Là, vous avez genre un truc de food center, tu vois. Et de l'autre côté aussi, on a un truc genre de food center. Enfin, on va aller directement là-bas, les potes. Hein. On va aller directement là-bas. Allez, 15 minutes. Bah, pas pour certains, ça intéresse, tu vois. Ouais, ça, c'est le truc à l'ancienne. Je mangeais, tu vois, genre, c'est des insectes et tout. Là, je vais prendre un milkshake, les poteaux. Là, quand je dis, moi, je suis pas un professionnel, j'ai envie de, en même temps, kiffer quand je suis ici, tu vois. J'ai pas envie de faire des vlogs et tout, après, je kiffe pas du tout.
sais pas pourquoi les meufs me regardent souvent, c'est un truc de ouf, on dirait que je suis devenu beau gosse. Ouais, ça c'est les coconuts, hein. C'est vraiment connu ici en Thaïlande. Combien ça se voit? C'est entre 30 et 35 bahts. Moi j'aimerais bien avoir mon milkshake les poteaux. Vraiment prendre mon milkshake. Voilà, ça c'est un truc de Food Center, mais moi j'aime pas trop venir ici les poteaux parce qu'il y a trop de monde. J'aime bien être au calme. Laisse tomber les sauces, c'est impossible que je vais l'enlever le truc de sauce là. Ça fait pas plaisir de voir ça les poteaux, vraiment. Tellement, les piments, laisse tomber, ça t'arrache le cul, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, ça t'arrache le cul. Tellement ici, bah, les insectes, au calme, t'inquiète pas poteau, je vais pas acheter. Je cherche mon milkshake les poteaux, j'aimerais bien prendre un Apple milkshake. Voilà, ils sont là-bas les poteaux. Ah, je vais voir c'est combien. Hein. 30 bahts, ça va. 30 bahts, ça va, sérieusement. Je vais prendre les mondes milkshake. Hein. Ouais. Je vais tourner un petit peu, comme ça je vous fais le vlog, les poteaux. Comme ça, vous voyez un petit peu les stands. Ouais. C'est coloré, hein. Sérieusement, c'est grave coloré. Hein. Du crabe. C'est grave coloré les poteaux. Ouais, je vois, il y a une autre meuf là-bas, elle fait du milkshake, je crois que je vais aller la voir. Quoi, enfin je prenais avec cette femme, hein. Elle fait pas trop cher les poteaux. Elle fait pas trop cher, 40 bahts, voilà. 35 bahts, c'est roi, putain, je me souviens plus où je les ai achetés à 20 bahts. Entre 20 et 30 bahts, ça va, ça reste un bon prix. Tu vois, genre lui. C'est mal, la petite pâte sec, au calme. 15 bahts, 40 centimes, tu mangeras une petite partie de la pâte sec. Ah, il reste encore des stands là-bas. Je vais vous faire les stands là-bas, les poteaux. Vous savez quoi, les poteaux? Il y a plein de meufs qui me matent, tu vois. Je fais mon retrait et tout. Je sais pas. Peut-être parce que je suis devenu beau gosse et tout. Mais moi, je m'éloigne d'eux. Moi, je te le dis clairement. Je connais un petit peu l'histoire. Viens, take care me, I love you, et casse-toi. Donc appréciez le poteau, moi j'apprécie ma bouffe, hein, tout simplement. Voilà, comme j'ai acheté tout à l'heure, hein. 10 te bas, 10 te bas. Sérieusement les poteaux, j'ai acheté 4 là. Je suis calé. Sérieux, je suis calé là. Donc 40 bahts, 10 bahts, 10 bahts, 10 bahts, tu vois, j'ai acheté 4, c'est vraiment, vraiment calé. Vous voyez ici les plats, les poteaux, c'est 35 bahts. Et dédicace à mon neveu, hein, son poisson. La dernière fois, il a acheté un poisson, il était même pas cuit, il l'a mangé comme ça. Voilà, voilà les poteaux, vous voyez ici, en 35, 40 et 50 bahts les plats. Donc, je les invente pas les prix là. Hein. Et là, encore moins cher, 25 bahts. Entre 25 et 30 bahts, c'est marrant. Genre ce plat, voilà, 35 bahts, même pas 1 euro. Tu manges au calme. Ah, j'ai acheté ça, les poteaux, à l'ancienne, 3 œufs, c'était pour 20 bahts et c'est vraiment bon. Encore petite dédicace à mon neveu, le poisson. Poteau, c'est comme si tu es en train de vivre le truc, sérieusement. C'est comme tu es en train de vivre le truc. Ça, c'est des sushis, les poteaux.
Ça, c'est un genre de... Je crois que je vais le faire en deux parties, les poteaux, parce que c'est tellement grand. Là, j'ai fait juste une petite partie. C'est vraiment magnifique. T'as des crabes. Là, je te jure, t'es pas au désert, poteau. Hein. Là, t'es pas au désert. Tu trouves la bouffe, mais partout, poteau. Il y en a partout. C'est un truc de malade. Ça, t'as les lasagnes ici, c'est 55 bahts. Voilà, 1 euro, 1 euro 40, un truc comme ça. T'as les gâteaux ici, voilà, au calme. Ah, je veux te dire, t'es pas sur une île perdue ou je sais pas quoi. Vous voyez un petit peu, voilà, 30 bahts ici, les plats, les poteaux. Et là, voilà, le poisson, 160 bahts, hein. 4 euros, tu manges deux personnes ici, poteau. En plus de ça, elle va te donner des petits trucs, tu vois, pour manger avec. Ouais, lui, il fait ses petites pâtisseries. T'as des crabes. Ah ouais, tranquille, au calme. Il fait ses petites pâtisseries ici, au calme, tu vois. C'est 5 bas. Eh, mais c'est coloré, le schéma. Sérieusement, c'est un truc de ouf. Ça aussi, t'es mal, la meuf est en train de faire. Genre, au calme. Et tu vois, comme ça, et après, tu les rends comme ça. Genre, c'est magique, tu vois. C'est comme les Ladyboys. Tu crois que c'est... Tu crois que c'est une meuf. Après, tu vois qu'il y a une bite. On dirait que c'est de la magie. J'ai vu ça, c'est Very Bad Tribe ou un truc comme ça, les poteaux. Et là, t'as les... Comment on appelle ça? J'ai complètement zappé. Ça, laisse tomber, ça te crame le bite. Sérieusement, ça te crame le bite. Ouais, les durians, ça te crame le bide, c'est un truc de ouf, hein. Je crois que je vais vous faire en deux parties, hein. Je vais le côté bouffe, je vais le faire en deux parties, les poteaux, parce qu'il y a tellement de trucs à vous montrer. Les poteaux, je crois qu'on va s'arrêter là. Et après, je vais faire des petites vidéos séquences pour chaque produit ici en Thaïlande. Griputo, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à tout taf. Ou resto, bah, bon courage à vous, hein, tout simplement, les poteaux. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Moi, j'ai kiffé, hein, je kiffe tout le temps venir dans ce schéma. Donc, Griputo, on va se revoir bientôt. Allez, à la prochaine.